Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a prévu différentes manifestations, dont celle de ce matin, où on vient dans des entreprises artisanales montrer, je dirais, un petit peu ce que savent faire les entreprises de l'artisanat ici à La Réunion, quelles sont vraiment les implications des entreprises dans le développement économique, quels ont été les efforts qui ont été faits pour ces entreprises en termes d'investissement financier, en termes de formation du chef d'entreprise lui-même, de son personnel. Donc c'est vraiment pour montrer qu'on a des entreprises qui ont dû s'adapter ici au marché, à leurs clients. Alors, ce qu'il faut savoir, nous avons plus de 18 000 entreprises artisanales ici à l'île de La Réunion, 24 000 salariés, ce qui fait près de 40 000 emplois, hein, puisque une entreprise qui est créée, c'est aussi un emploi qui est créé, celui du chef d'entreprise. Donc, plus de 40 000 emplois, un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros, hein, ici à La Réunion en 2017. C'est vraiment pour vous dire qu'il y a une implication très forte, hein, du secteur de l'artisanat dans l'économie de La Réunion. Donc, Calicari est une société qui fait de la restauration collective. Donc, nous servons des menus, des repas à des enfants, des patients dans le secteur hospitalier, les maisons de retraite, des crèches, des écoles, toutes les zones où on peut accueillir des gens qui sont présents pour le repas du midi ou le repas du soir. On est à peu près une vingtaine de salariés. On existe depuis près de 10 ans, un petit peu plus de 10 ans. On a une configuration où soit les repas sortent de la cuisine centrale dans laquelle vous êtes, soit les repas sont déjà produits par nos équipes chez nos clients. Donc il y a les deux configurations. On essaye tout le temps, à chaque fois que c'est possible, d'utiliser des produits locaux. Des fois c'est compliqué, et puis, mais souvent on passe aux produits locaux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? D'évoluer. Avec du sens et du bonheur.